Okay, allez, maintenant les jeux, c'est deviner c'est qui lui de BTS. C'est Suga. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez pas mal aimé le dernier concept qu'on avait fait sur les pubs coréennes. D'habitude on a un petit peu du mal avec les vidéos réactions, mais en fin de compte quand on les filme on rigole beaucoup. Surtout avec le délire des pubs coréennes, c'est un autre monde. Du coup on s'est dit pourquoi pas retenter l'expérience aujourd'hui et voir si on tombe encore sur des pépites. Entre temps on vous a beaucoup rencontré en vrai. On va vous rencontrer. Donc lui c'est le jury méchant. Elle s'est étouffée en fait. Et toi, pas de vomir. C'est ça qui est bizarre. Tu sais que j'ai découvert très tard que c'était in real life, IRL. Tu vas le découvrir? Donc oui. On vous a rencontré et du coup ça fait vraiment bizarre de reparler via une machine. On dit appareil pour tout, appareil à photo, appareil à raclette. Me parle pas de raclette. Il laisse du mal à digérer tout ce qui est olé. Bref, c'est parti pour la réaction des pubs numéro 2. Bon ça on sait, c'est Astro. Voilà. Par contre tu me sens plus du tout ce que c'est. C'est un truc pour commander. Bizarrement c'est toujours lui le visuel. Hein. Par contre il n'y a que lui dans le groupe j'avoue. Chacun son dessert. Ah il fait peur. Ah c'est des meufs. Ça c'est pour eux. C'est pas Blackpink. Alors ça par contre c'est pour un médicament. Du rouge à lèvres. Pas du tout. Œil. C'est les lentilles. Ah c'est bon, j'ai gagné. Je mange pas de lentilles en Corée. Bah c'est nul. Il y avait une meuf de Twice. Nivea. Ouais mais voilà, mais ça aussi c'est qui? C'est des crèmes de jour. Je sais que j'ai dû la gueule pendant deux jours. Ça éconne. En fait toute la vidéo ça va être qui est ce groupe. Alors, par contre je veux pas critiquer mais la pub je ne comprends rien du tout. Pourquoi ils tournent sur un truc? Annabello. Tout ça pour Annabello. Annabello. Oula. Ils sont en vacances déjà. Ça c'est un aller faire caca. Boisson. Boisson. Pepsi, j'ai gagné. Pepsi. Eh, vous avez déjà remarqué que le logo Pepsi ressemble au drapeau de la Corée. Ça c'est pour des bonbons. C'est pour des bonbons. Tu sais c'est des bonbons gélatineux. Ah, c'était trop bon. Ouais vraiment. Pourquoi est-ce que on... C'est vrai que la première vidéo on avait fait des fonds verts. Hein. Ouais. Oh la flemme de ouf. Désolé les gars. Ah, c'est des mangues. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je comprends. J'aime pas la mangue. Je trouve que c'est un arrière-goût de chaussette. En fait. Ouais, je suis pas très fan de la mangue. Je m'en fous. La pub elle dure 45 minutes et elles font la pub pour tous les produits là. Non mais je pense qu'ils l'entrecoupent à la télé à chaque fois. Ah oui, Tetris. C'est comme la pub des capotes. Ah oui, mais c'était genre, oh t'es fluorescent. Il y en avait 4 qui passaient, t'étais avec tes darons genre en mode, oh mais t'es où? Oh regarde un verre luisant. Oh ben non, alors ça... C'est Michel. Ah oui? Ça donne envie. Ah enfin, un petit chien. Ah mais, ouais, mais alors les chiens là-bas ils sont... Je suis désolée mais ils ont vraiment des races chien. De chevaux, de chiens. C'est une blague? Ah c'est la crème solaire? C'est la crème solaire. C'est mec d'Exo lui non? Je sais pas. Par contre je comprends pas en quoi la crème solaire intervient dans chaque moment. Lui je comprends. Mais grave genre... Vas-y tu fais de la moto. Dans le rétro. L'autre est en mais oui c'est Exo. Ah oui c'est Exo. C'est le seul que je reconnais, lui il a une tête de choupi. Et pourquoi regarde, t'as vu, ils sont toujours habillés, pourquoi on voit pas les petites torses? Y'a ma mère, pardon. Enlève le t-shirt. Ah, elle dort bien, le soleil. Elle va la réveiller. Ah, c'est un jeu. Ah, je n'aurais jamais deviné. Elles s'appellent toutes pour faire... Ah, elles vont à l'abordage, Pirates des Caraïbes. Toi, tu pourras jamais faire ça, tu vas vomir. Heureusement que t'es pas née à l'époque des pirates, hein, t'aurais été sacrément dans la merde. Et là, y'a une déesse qui arrive, ok. Et c'est qui ces meufs encore? On va se faire insulter. Faites des insultes rigolotes. Attends. Pour la timonie. Attends, eux je les connais, ils me disent quelque chose, ça me gratte le cul. Attends. Je suis mal essuyée. Attends, essuyé. Tu sais que vous ne pouvez pas. Je rigole, c'est pas vrai. Je suis toujours bien. Ah non, putain, mais j'ai dit c'est pour la timonie, mais c'est pour des chaussures. Après, tu m'étonnes, il y a que des pans sur les chaussures depuis tout. Coucou. Oula. C'est une pub contre l'homophobie.
Totem, totem. C'est combien? 17, non? Je sais pas. Peut-être 17. D'où c'est une pub pour un masque? Je comprends pas. Ils sont juste en train de se balader dans les bois. Oh, attention, ah, c'est Sprite, ça, c'est Sprite, ça. Ça, j'avais vu ça. C'est Sprite. Tricheuse. Enfin, non, je l'avais vu. Ah, mais oui, mais c'est pas vrai. Attends, lui, tu vas le reconnaître. Pardon, excuse-moi. Tu vas le reconnaître. Tu vas être comme une malade. Tu vas être comme une malade. Elle est où ma surprise? Alors, attends. Si on le voit pas. Putain, on l'a pas vu, fait chier. C'est le gars de putain le drama que personne n'a aimé mais nous on a bien aimé. Ah, Tempted. Tempted, c'est le mec de Tempted. Attends, je repars en arrière. C'est attends. Le monsieur de Tempted. Kiss me darling, kiss me tonight. Tiens, il a fait allez, un okay, allez, maintenant le jeu c'est deviner c'est qui lui de BTS. C'est Suga. Ah. Ils sont pas bêtes, ils ont dû le faire pour tout le monde. T'as vu là, c'est bon, ils l'ont fait pour tout le monde. Lui, je le connais, c'est un rap monster. Ah, lui, c'est BG, lui, celui que tout le monde kiffe. Jungkook? Non, c'est V. Je me jure, je vais pas exprès. Je te jure, on l'a travaillé. C'est lui qu'on adore, qu'on trouve trop beau. Mais déjà, il y a pas longtemps, moi, je pensais que V et Jungkook c'était les mêmes. Tout ça pour une barre de céréales. Moi déjà je fais le truc qu'elle a fait en squat, je pète. Hein. Je pète le pantalon et je pète dans la vraie vie. Il faut deviner. Ah bah c'est la vitamine. On les avait. C'est les Power Rangers, regarde le petit en jaune. Et aussi une petite. Je me suis encore fait laver le cerveau. Ah ça me dégoûte, c'est de l'SMR. Mais c'est une pub pour quoi? Pour le... C'est pour du poulet? C'est pour du bouillon. Moi je dis c'est du bouillon. C'est sexiste hein. Ah non c'est un restaurant. Pardon. J'ai fait un vrai rire là. Oh là on a Mr Bean. C'est pas Mr Bean. Elle est connue elle. Eh attends. Suzy. Attends. C'est Suzy. Si c'est pas elle. À cause de temps on a fait un régime, on a failli mourir hein. Bon bah dernier repas de la journée. J'ai faim, je pense que à mon ventre qui me fait mal tellement j'ai faim. Ah Moïse. Ah c'est la fille de It's okay not to be okay. C'est vraiment un dieu hein, une déesse hein. C'est une secte. Propagande de la secte. Ah c'est la cluster Covid. Bah voilà. Oh putain. C'est Piccolo-y. Merci au coréen. Comment ils font pour faire les calculs de ces personnes? Mais peut-être que ce mec est connu, c'est ça le pire. Par contre c'est une pub de quoi? Application. Ah, un truc téléphonique, je pense, un forfait téléphonique. Ah, c'est un jeu. Ah. En quoi? Tu vois, en quoi il y a le jeu là-dedans? Je comprends pas. Il y a déjà de payer cher ce monsieur. Pour une tisane qui fait faire caca. Ça c'est drôle. En fait j'ai l'impression que les Coréens sont hyper doués pour faire début d'une pub, tu sais, qui n'a rien à voir avec le produit vendu. On a vendu de café. Dominica, comme c'est l'été, Maxim Ice. Ice, Maxim Ice. Ah, Ice café. Maxim Ice. Comme c'est l'été. Ah, on l'aime bien lui aussi. C'est lui qui paraît, il est méchant. Ah non, non, non. Non, c'était l'autre. C'est Gustave. Oh, il est. Ah, franchement. Ouais, franchement. Si j'avais 20 ans de plus. C'est un loubar. Ah, il est beau, hein. Putain, il est beau. En fait, on dirait Chouane en plus vieux. Il est canon cet homme. Bon, lui, il est moins beau. Ah, et oh, c'est Ichol. Okinawa. Oh. C'est un truc de voyage? Ouais, je pense. Ah, il est beau. Il est beau là. Oh, franchement, maquillage, maquillage, mais il est beau. Ah, J-Market. C'est pas pratique. Yu-Gi-Oh! C'est leur du. Ah non, c'est leur manière de parler, regarde les bulles, ils disent pas ça. On dirait mon père à gauche. Ah mais oui, mais ça c'était des trucs pour commander, on avait utilisé celui-là mais j'avais rien compris. Ah, Mino de Shiny. Genre, on sait que t'as pas une doublure, Coco. Elle mange des bretzels, oui. Oh, on dirait une japonaise. Non. Il est beau. Ciao. Déjà, tu piques pas les bretzels, hein, c'est quoi ça? Rends les. C'est pas parce que t'es regarde, beau. Regarde, il est étonné. Ils sont embrassés. C'est le moment, les gars, y'a personne. Hein.
En fait, son cœur il bat pour les bretzels, pas pour elle. Bah. Et elle, elle pense que son cœur bat pour elle. Si, si, c'est ça. Si, c'est ça. Ça, il s'en fout d'elle. Je suis pas sûre. Non, 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 non. Attends, moi je vous ai donné des bêtes de trucs de trucs drôles. C'était plus drôle à la fin qu'ils disent je t'aime, mais au bretzel. Moi je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors t'imagines ça. Pardon, t'avais une mouche. Attends. C'est pas qui je pense. Idook. Épouse-moi, s'il te plaît, épouse-moi. Monde. C'est une blague? Mais c'est une pub pour une machine à laver? Me dites pas que c'est pour une machine à laver, je vous en supplie. Non, c'est pour la lessive. Par contre, c'est un drama? Bon, accouche! Me dites pas que c'est que pour des fleurs. C'est pour livrer des fleurs. C'est du déodorant. Ils font jamais de pub de déodorant. Mais ils en vendent jamais. Non, on en a tout le temps, ils doivent se dire vraiment, on pue des. Tu pues des pieds! Le truc stylé, ce serait que Arissa, ils viennent pendant la pub. Elle viendra pas. Non. Mais j'aime n'importe quoi. Non. 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 Elle dit. C'est fake. Non, c'est fake. C'est pour une montre. Pas très jolie. Une montre connectée. Quoi? Quoi? Elle est pas très jolie. Tu parles de la dame ou de la montre? Mais t'as de la montre. On a compris ce que tu pensais, Inès. Non, en plus, vous êtes. On a compris. Ça, personne lit comme ça. Personne, il fait froid dehors. Ah bah voilà, lisez pas, c'est ça. Utilisez votre téléphone portable. Par contre, franchement, ils vont m'avoir André Rémillon. Je le savais que c'était lui. Moi, je te l'achète, Itchol. Je sais pas ce que c'est, je te l'achète, je te le promets. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Il a encore joué au jeu. Non. Ikugan, c'est pas ce que tu crois, il lui a dit. Ou il y a une maîtresse. Non, il pense qu'elle a une maîtresse. Elle pense qu'il y a une maîtresse. Et là, il fait que se rattraper. Et pourquoi il a payé un truc à 500 balles? Attendez, le frigo, il est... Le frigo, il est ultra connecté comme ça. On peut voir à l'intérieur, ah, ça devient transparent. C'est angoissant quand même. Hein. Pourquoi vous mettez vos amandes dans le frigo? Mais j'aimerais savoir pourquoi il a payé 500 balles. Ce frigo, je vous assure, il coûte pas 500 euros ce frigo. Ah mais si, c'est ça. C'est ça? Il l'a trompé. Non, c'est le frigo. Ce frigo, il coûte pas 600 balles. Hein. Le déni, c'est un truc incroyable. Déjà, un kilo de fruits comme elle a là, ça coûte cher. Ça coûte cher. On a vraiment des petites mégères. Nous, nos pubs comme ça, c'est tu viendras voir ta grand-mère au moins une fois. Oui, parce que maintenant j'ai la fibre. Je fais croire que j'ai plus de téléphone, comme ça ma petite fille vient me voir en mobylette. Je regarde beaucoup la télé. Ah, c'est le frigo à kimchi. Attends, il range leurs patates dans le frigo. Moi, les patates, tu les mets pas deux, tu les mets pas dans le frigo. Je vois les patates qui me choquent, moi c'est plutôt les pommes. Ah bah c'est la fin. Ah ouais? Ouais, c'est un fond blanc. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une partie 3. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment les K-pop idols. Bah, après, parce qu'on va pas se mentir, les K-pop idols, on essaie plus de chercher qui étaient les K-pop idols que c'était la pub. Ce qu'on adore dans ce genre de vidéo, c'est vraiment découvrir les différences qu'il peut y avoir entre nos pubs à nous, ou même les pubs américaines et les pubs coréennes, parce que comme on a dit, c'est un autre monde. Moi, en vrai, je serais grave tentée de comparer en fonction des produits des pubs avec les Français. Tu vois, par exemple, Kellogg's, la pub Kellogg's, la voir avec les pubs. Comment est-ce qu'on pense à ça? Ça peut être super intéressant. Ouais, comment ça? Les pubs de voitures en France versus en Corée et tout, genre en mode ça peut être trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram qui vont s'afficher juste ici. Surtout à liker la vidéo. Avec les conventions, c'était trop cool de vous rencontrer. C'était trop bien. On a sûrement des dates qui sont en train encore en discussion. Et ouais. Donc restez bien connectés. A très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci d'être là. Il est beaucoup short. Bah je sais ça, mais je sais pas. T'assises de putain. Sérieux? Alors il est complètement aplati le Richard. Alors il m'a fait trop de la peine, il était vraiment mal. Voilà, c'est mon enfant. Un petit peu turbulent le petit chien, mais il va bien. Bonjour. Bonjour. Oh, putain, c'est de choper. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour à tous. Non, ça me sort de tout. C'est vrai. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo. Regardez, c'est déjà Noël. Attends. Ah voilà. T'es bon? C'est bon. T'es bon mamie? T'es bon. On aurait dû faire des pubs sur Squid Game, on aurait eu plus de vues. Plus ludique. Plus ludique, hein, vous avez... C'est nul.
Non, on verra au final. Oh putain.